Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça va, ça va, par la grâce de Dieu. Partagez la famille, partagez. Partager, 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 car c'est très important. Les sorciers de la Guinée qui se disent qu'ils sont les enfants dignes de la Guinée. Nous, on va les ressasser jusqu'à... Ils vont devenir calmes comme ça, là. Donc, partager beaucoup, partager la famille. Le message, là, tu sais... Même si c'est ton papa, il ne peut pas connaître tout. La vie là, tu peux faire un enfant et qu'il connaisse certaines choses que toi aussi tu n'as pas vu ça. Donc chacun de nous, il faut que des fois on se parle et puis on se corrige. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Il faut qu'on ait le courage de se corriger. Beaucoup n'ont pas le courage de faire ça. Beaucoup n'ont pas le courage de faire ça. Donc la vie, là, on doit se corriger. Chacun a des défauts. Même si c'est comment, on doit se parler. C'est ça qui est la vérité. Donc, ma voix ce soir-là part. Notre colonel Mamadi Doumbouya qui vient de nous donner la joie là. Le message là l'appartient. Alko Manikaka Noko, la fille Kalmane Douma. Ababa Soumayala, Yo Doumouna, Yukori Kolematou. Donc, à Kalmane Douma. La famille, si on a décidé d'avancer le pays là, il faut qu'on soit clair entre nous. Il faut qu'on soit clair entre nous. Mon colonel, vous-même, vous avez passé votre temps en France. Vous savez que veut dire le développement d'un pays. Et vous êtes venu en Guinée, vous avez fait un beau temps en Guinée. Jusqu'à présent, vous avez vu comment est la différence. Vous avez vu comment le pays là est en retard. Vous-même, vous avez vu ça. Comment la Guinée est en retard. Donc, nous, on n'est pas là pour retarder. On n'est pas là pour retarder. Je veux que vous mettez ça dans vos têtes. La Guinée est en retard. N'écoute personne. Vous êtes resté en Guinée là-bas, voir beaucoup de choses. Le cœur qui vous a poussé à mettre la population dans la joie, je veux que le même cœur là vous pousse de mettre la Guinée à la même joie que les Guinéens veulent. N'écoutez ni Pierre, n'écoutez ni Paul. Les Guinéens veulent le bonheur maintenant. Les Guinéens veulent le bonheur maintenant. Je ne dis pas les maudits qui sont entre nous, hein, mais les vrais Guinéens conscients veulent le bonheur maintenant de ce pays-là.
la terre de la Guinée, ce n'est pas les malinqués que Dieu a écrit là-dessus pour dire que la terre de la Guinée, c'est les malinqués qui doivent gérer là-bas jusqu'à Yoto. Non, ce n'est pas ça que Dieu a mis ça. Ce n'est pas ça que Dieu a écrit. Je veux que vous vous comportez comme un fils digne de la Guinée. Là où on est là aujourd'hui, on n'a pas le temps d'écouter la maman, on n'a pas le temps d'écouter le papa, on n'a pas le temps d'écouter le frère. Nous-mêmes, on est là à voir la réalité. On est là à voir la réalité. Donc, les mots qui viennent de gauche à droite là, n'écoute pas ça. N'écoute pas ça. Déjà, on a un président qui était élu et qui réclamait sa victoire. Si c'est ça que les gens ne veulent pas écouter, moi, je vais vous dire ça le soir là. On a un président qui a été élu et qui réclamait sa victoire. On ne veut pas perdre le temps. La Guinée doit commencer. Avoir le bonheur qui vient de rentrer là-bas comme ça. Le président qui était là-bas, tout le monde avait tout le monde était fatigué de lui. Et toi-même, tu as vu ça et c'est ça qui t'a poussé à lui faire quitter. Donc si Dieu a fait qu'il ait quitté sans la mort, il a pris la place de quelqu'un pour la force. Nous, on n'est pas là pour autre élection. Les gens qui demandent autre élection, là, tout ça, là, c'est pour mélanger encore les gens ensemble. Déjà, on a quelqu'un qui a eu sa victoire. On doit continuer sur le chemin là. Si c'est un président qui était mort, comme façon dont Dadis est venu au pouvoir, il a trouvé que le président était mort. Tu vas prendre le temps d'arranger les choses et puis faire organiser l'élection. Mais ça là, ça n'a pas été comme ça. Donc, je veux que vous marchiez sur le bon chemin de Dieu. La Guinée appartient à tout le monde. La Guinée appartient à tout le monde. Et chaque ethnie a le droit de gérer la Guinée. La place là, ce n'est pas pour les malinqués seulement. La place là, ce n'est pas pour les sous-sous seulement. La place là, ce n'est pas pour les peuls seulement. La place là, ce n'est pas pour les forestiers seulement. La place là, c'est pour tout le monde. Et je veux que tout le monde mette ça dans sa tête. Parce que c'est les gens qui n'arrivent pas à comprendre la partie là, c'est eux qui sont là chaque jour à mentir. C'est-à-dire à donner les mots sales qui peuvent nous mettre ensemble. Donc, je veux que vous marchiez sur le bon chemin. Même si c'est les sages de quoi qui quittent à Jakarta pour venir. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on veut que les choses passent rapidement et que le pays commence à bouger. C'est tout ce que nous, on veut. C'est tout ce que nous, on veut. On n'est pas là pour écouter les choses. Je me demande pourquoi les Kassouris là sont assis aujourd'hui. On dirait qu'ils n'ont pas fait quelque chose de mal à la population. Les prisonniers qu'on les a libérés là. Tu t'imagines? Certaines femmes étaient arrêtées là-bas
en train d'attendre leur fils. D'autres n'ont pas eu leur fils hier. D'autres n'ont pas eu leur fils parmi les groupes qui ont été libérés. Vous savez combien de fois ça fait mal? Les gens qui ont perdu leur enfant dans l'affaire là. Ça fait mal. Ça fait mal. Les gens qui supportaient Alpha Condé hier là et qu'ils ont perdu leur enfant dans le coup de Alpha Condé là. Vous-même, la douleur là, regardez ça. Et les gens qu'on partait rentrer chez eux, les torturer sur leurs droits. À cause de leurs droits, on part rentrer chez eux et puis les tuer, les violer. Si vous voulez que la joie là continue dans le pays, marchez sur le bon chemin pour que tout le monde commence ses activités dans la paix. Et avant ça, d'abord, il faut qu'un grand sacrifice pour que tout la réconciliation doit être partout. Même si c'est ça quartier qui prépare service libre, la joie là doit être un joie vraiment. Avant même de commencer les choses, on doit faire un grand sacrifice pour ne pas que les choses comme ça nous arrivent maintenant au pays. Commencez à Conakry jusqu'à Lola. Chaque pays doit, chaque préfecture, on doit faire un grand sacrifice. Service libre. Les gens qui veulent partir manger, ils n'ont qu'à manger. Pour que la paix qui est rentrée chez nous là, ça continue. Donc, on n'arrive pas à écouter Paul ni Pierre. Il faut faire les choses pour que le reste de la paix là continue dans le pays. Dans le pays, les cassoris qui sont au dehors là aujourd'hui, c'est pas leur place ça. C'est les gens qu'on devrait les enfermer même. Et c'est les gens que tu dois même pas leur approcher à côté de toi. Tous ceux qui étaient dans le groupe de Alpha Condé là, tu dois même pas leur approcher à côté de toi. Ils ont fait leur temps. C'est fini. C'est fini. Les groupes là doivent rester à l'écart. Et ils n'ont rien maintenant à dire pour le problème de la Guinée. Parce que on connaît déjà maintenant leur problème. On connaît déjà leur situation. Ce n'est pas les gens qui veulent le bonheur de la Guinée. Et ils sont là pour leur opportunité. Soit disant qu'ils sont le fils de la Guinée. C'est les gens que tu ne dois pas les reprocher. Parce que c'est eux qui sont là. Leur groupe là. Ils savent qu'ils ont cessé place de président là. Ils n'ont pas eu ça. Parmi les groupes là, les gens qui sont honnêtes dedans, c'est eux qui souffrent. Parce que parmi les générations, on se connaît. Les gens qui sont honnêtes dedans, on connaît. Les gens qui sont intelligents dedans, on connaît. Les gens qui sont forts dedans, on connaît. Donc les plus forts là, les mauvais grains là sont là toujours à les mettre à terre. Parce qu'ils voient leur échec. Ils ont rentré dans ça pour leur opportunité. Donc quand ils te voient maintenant dedans avec le cœur de Dieu, ils ne veulent pas encore que toi tu sors sur l'ombre que Dieu veut. Et ce que Dieu a écrit à chacun de nous, ça va arriver trop ou tard. Ils ne sont pas Dieu. Le temps est là pour leurs amis. Donc, marchez sur le bon chemin
et que les choses commencent à aller. Nous, on n'est pas, nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Quand les sous-sous sont au pouvoir, aucun ethnie se complique la vie. Quand les malinqués sont au pouvoir, tu fais un bon travail, on ne te complique pas la vie. Mais tu ne fais pas ce qu'on veut, tu dois partir. Pourquoi quand ça arrive, c'est les autres, vous êtes là chaque fois à parler de n'importe quoi. Quand ça rentre, c'est les autres, laissez eux aussi faire leur temps. C'est ça la vie. On supporte pour vous, laissez les autres aussi, ils vont supporter. Vous devrez supporter encore pour les autres. C'est ça qui est la vérité. Quand on supporte pour vous là, vous aussi, vous devrez supporter pour les autres. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Donc, vous qui sont là à diviser là, votre mot de division là, ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Ça va prendre fin que vous voulez ou pas. La Guinée ne peut pas vivre dans la difficulté comme ça là. Donc s'il vous plaît, vous les maudits qui viennent déranger les gens là, mettez-le dans vos veines. Là où nous on est arrivé là, c'est comment faire pour que le pays là soit dans les bonnes conditions. Nous, on n'est pas là pour regarder vos bêtises là. On n'est pas là pour regarder vos bêtises là. Laissez le monsieur là tranquille. Ne l'embrouille pas. C'est un monsieur qui a grandi par là. Son idée et vos idées bêtes là ne sont pas les mêmes. Donc, ne viens pas lui mélanger. Parce que vous êtes là seulement pour votre intérêt. Que la route est comment, que l'eau de courant est comment, ça ne vous regarde pas. Même si on vous prend milliards, on prend milliards aujourd'hui pour vous donner, pour dire que allez-y, faire un travail comme ça là. On ne va jamais voir le travail là. Et l'argent là, ça va monter, ça va descendre. On ne va pas voir ça. Vous êtes habitué avec ça. On ne peut pas continuer sur ça. On ne peut pas continuer dans ça. Donc, tout ce que je peux dire à mon colonel, n'écoute personne. N'approche pas les gens là à côté de toi. Tu es venu en Guinée, tu es resté, tu as vu comment la Guinée est. Tu as vu comment l'état de la Guinée est. Donc, n'écoute personne. Parce que il y a des caméléons là-bas là. Ils vont venir se faire comme si le plan de la Guinée, ça est dans leurs mains. Et pourtant, c'est les multicouleurs. Quand ils sont par là aujourd'hui, ils finissent de gâter là-bas. Ils courent pour aller par là. Aller gâter là-bas. Les gens comme ça là. Nous, on va mettre vos comportements là dans vos sacs. Dans vos sacs, vous voulez, vous ne voulez pas, Peul va diriger le pays là. Vous voulez, vous ne voulez pas, si c'est Kissi qui est fort, il va gérer le pays là. Vous voulez, vous ne voulez pas, si c'est un Soussou qui est fort, il va gérer le pays là. Si c'est un Malinqué aussi qui vient, qui est fort et que tout le monde est content pour lui, il va gérer le pays là. Mais là où on est là, là où la victoire est là, vous voulez ou pas, ça va arriver là-bas. Si c'est ça qui vous dérange, ça va arriver là-bas. Parce que ça nous appartient. C'est quelque chose qui est... C'est quelque chose que nous tous, on a le droit de gérer. C'est ça qui est la vérité. Moi, je ne tourne pas autour du pot. Je ne suis pas là
pour dire c'est comment, c'est comment. Vous n'êtes pas Dieu aussi pour connaître celui qui va venir là. Il ne va pas faire un travail. Vous n'êtes pas Dieu pour connaître ça. Vous ne connaissez pas son idée. Vous vous asseyez comme ça là seulement pour prendre des idées bêtes comme ça là. On dirait que vous-même, vous êtes rentré dans son cœur pour connaître ce qui est là-bas. Arrêtez de salir les gens dans la futilité. Arrêtez de salir les gens parce que vous voulez seulement, vous ne voulez pas lui voir là où son bonheur est. Parce que le Guinéen, son problème, c'est quand il te voit, il voit là où tu parles, là. C'est quelque part qui est bien là. Façon donc il peut passer par tous les moyens pour ne pas que tu arrives. C'est ça qu'il va saisir. Ça, c'est le travail des Guinéens. Et il faut qu'on arrête ça entre nous. Il faut qu'on arrête ça entre nous. Ça, c'est pas un bon travail. Ça, c'est pas un bon travail. C'est que Dieu, chacun de nous a sa sens. Chacun de nous a sa sens. Si pour toi n'est pas arrivé là, il faut attendre. Si pour les autres là arrive, c'est leur temps. Ils vont faire leur temps. Chacun a son moment de joie. Donc ne nous fatigue pas. Ne viens pas nous fatiguer. Nous, on n'a plus le temps pour ça. Le pays là doit développer. C'est à cause de votre mot sale là que le pays est toujours en retard. Quand on dit telle personne est bien, tu vas voir quelqu'un, quand il va venir parler, on dirait que c'est lui-même qui a mis l'intéressé au monde. Ou bien, toutes ces choses, c'est lui-même qui connaît. Parce que tout simplement, ils ne veulent pas voir l'intéressé devant lui. Donc, la famille, donnez-nous la main. C'est l'union qui fait la force. N'écoute pas les mâles personnes qui sont là parce qu'ils sont fâchés. Sinon, quelqu'un que son cerveau est normal là. Alpha Condé même qui était là-bas là. Qu'est-ce qu'il faisait? Si c'est pas l'hypocrisie là, est-ce que c'est quelqu'un comme Alpha Condé qu'on peut supporter? Nous, on veut quelqu'un qui travaille bien. C'est ça la vérité. On veut quelqu'un qui travaille bien. On ne veut pas quelqu'un qui peut venir nous mentir dans la futurité comme ça là. On ne voit rien. Et quand on veut parler, ils ne veulent pas écouter ça. Même si c'est mon frère qui est président, s'il ne fait pas un bon travail là, je suis la population pour qu'il quitte. Parce que toi seul, ton sale comportement ne va pas faire souffrir la famille. C'est ça qui est la vérité. Donc, donnez-nous la main. N'écoute pas les ondis là. N'écoute pas les escrocs là. La terre de la Guinée là, ce n'est pas leur nom qui est écrit là-dessus. Tous les ethnies qui vivent en Guinée là, ils ont le droit, le plein droit de gérer ce couturier là-bas. Si tu as la force. Si la population dit oui à quiconque ce soit, c'est l'intéressé qui doit s'asseoir là-bas. C'est ça qui est la vérité. Vous et votre sale comportement là. On dirait que c'est vous qui sont c'est vous que Dieu a envoyé sur la terre de la Guinée pour dire que c'est vous qui doivent gérer la Guinée jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est fini. Ça que Etienne va passer là-bas. C'est ça qui est la vérité. Moi, ma page là, je ne casse rien. Je ne casse rien. Ce que vous ne voulez pas attendre là, moi, je serai là chaque jour à vous faire, à mettre ça dans vos oreilles.
Je serai là chaque jour à mettre ça dans vos oreilles. C'est ça qui est la vérité. Je m'en fous de l'argent de la Guinée. Ce que je gagne ici, là, ça me suffit. Ça me suffit. Mais si je vois quelqu'un de bien, je sais qu'il peut travailler sur moi, je vais te supporter. Je vais te supporter jusqu'à la fin. Donc, si toi, tu ne veux pas voir ça là, tu n'as qu'à partir là où tu veux. Moi, je ne suis pas là pour l'opportuniste. Je ne suis pas opportuniste aujourd'hui. Je ne suis pas opportuniste aujourd'hui. Moi, je suis les vrais. C'est ça qui est la vérité. Je suis les vrais. Et les personnes qui voient des choses comme moi là, c'est les gens comme ça là que je suis. Moi, je ne suis pas comme caca de bœuf. C'est-à-dire là-dessus, échec, mais quand tu mets ta main dedans, c'est mouillé. C'est les gens comme ça là qui sont beaucoup chez nous. Je ne suis pas comme ça. Et quand je rentre dans quelque chose, je suis dedans. Je suis dedans jusqu'à la fin. D'autres sont là-bas, là. C'est aller se promener dans les parties. Quand on dit que partie là est doux aujourd'hui, ils vont partir là-bas, manger. Et c'est les escrocs comme ça, là. Parce que quand ils quittent dans partie comme ça, là, ils vont partir dans l'autre partie. C'est pour aller mentir là-bas. Pour qu'ils vont gagner seulement quelque chose à manger et puis partir. Et ils ne sont pas là pour arranger. Ils ne veulent pas souffrir dedans. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme vous. Vous ne voulez pas arranger, c'est pour gâter seulement. Je ne suis pas comme ça. Moi, je ne cesse pas ma vie comme ça, là. Je ne cesse pas ma vie comme ça, là. Donc, arrêtez de faire les choses comme ça, là, au pays. C'est pas bon. Mettez dans vos têtes que le pays, là, on doit travailler ça ensemble. On doit travailler ça ensemble. C'est ça qui est la vérité. Quand colonel Doumbouya partait prendre Alpha Condé, il était seul. Il n'était pas seul. Ça doit vous dire que la Guinée, c'est une famille. Il n'était pas seul. Il était entouré avec les Guézé, les Malinké, d'autres Malinké, les Peuls, les Soussous. Il n'était pas seul. Donc, c'est pour vous dire que la Guinée, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Donc, quand le plus intelligent est devant nous là, vous ne connaissez pas ce qui est dans son cœur. Laissez l'intéressé gérer. S'il ne gère pas bien, vous allez parler. Alpha Condé est venu. Au moment où Alpha Condé venait au pouvoir là, tout le monde était content pour lui. Tout le monde le croyait. Mais où il nous a mis aujourd'hui? Où il nous a mis? S'il vous plaît, il faut réfléchir bien. Quand vous êtes là à réfléchir, là, réfléchissez bien. Ne viens pas seulement vous arrêter et puis parler de n'importe quoi. Tout le monde avait confiance à lui. Où il nous a envoyé? Rien de tout. Même là où il a trouvé la Guinée, là, au moment où il venait, c'était mieux même que là où il nous a laissé aujourd'hui partir. Que là où il nous a laissé aujourd'hui partir. S'il vous plaît, réfléchissons des bonnes choses. Ne venez pas vous arrêter ici parce que tu n'aimes pas quelqu'un. Tu veux seulement mentir sur lui et puis parler mal sur lui pour décourager les autres. Parce que ça, c'est le travail des mal personnes comme ça, là. Si tu n'aimes pas quelqu'un, là, ferme ta bouche. Et puis tu pars t'asseoir. Au lieu de venir lui parler n'importe comment pour décourager les autres. Ça veut dire quoi ça? Arrêtons ça entre nous. Ça, c'est pas un bon travail. C'est tout ça, c'est tout ce qui arrive par la destinée là. Ça, ce n'est pas bon entre nous. Donc le message qui était là-bas ce soir pour mon colonel, n'écoute pas Paul. N'écoute pas Pierre. On a déjà un président qui est élu. Qui s'appelle Sélou Dalé.
on a déjà le monsieur là à côté de nous. Il n'y a pas un autre organisation de campagne ici là. Rien. Donc, il faut marcher sur le bon chemin. Et puis, éloigne-toi des faux sages qui sont maintenant à côté de leur tombeau là. Parce que eux, ils ont déjà raté dans leur vie. Ça, c'est fini. Ils sont là seulement pour gâter. Quand c'était chaud comme ça là et que on tuait les enfants des autres là, pourquoi ils ne se sont pas levés ses yeux là-bas pour venir parler à Alpha Condé? C'est quand Bonheur vient maintenant qu'ils vont se déplacer pour venir dire n'importe quoi devant nous ici. Quand il était chaud et que les gens tuaient les pauvres parents, hein? À zéro près, on tuait les familles là-bas. C'est les peuples à Conakry là-bas. On tuait les enfants et les femmes. Où ils étaient? C'est quand pouvoir la joie rentre au pays qu'ils vont prendre l'air gouba sale sale là pour venir s'asseoir. On dirait que, s'il vous plaît, mettez l'eau dans vos vins. Nous, on n'a plus le temps de... Nous, on n'a plus le temps de... On veut continuer. On veut que la Guinée soit la Guinée soit à côté des autres choses, comment dirais-je, des autres pays, comme Sénégal, comme Côte d'Ivoire. Nous, on n'a plus le temps, hein. Donc, regardez-vous bien là-bas et puis vous allez continuer la joie que nous on a eu comme ça, là. C'est tout ce que je voulais vous dire. Vous, les escrocs qui sont parmi nous, là, mettez l'eau dans vos vins. Votre président est parti, c'est fini. C'est fini. Si c'est l'habit que tu coudrais avant, là, il faut te retourner, tu vas partir faire ça. Ce que tu faisais avant, là, retourne-toi, tu vas partir faire ça. Votre temps est passé. Nous, on a pris le temps ici maintenant d'attendre n'importe quelle chose ici. On veut avancer le pays là. C'est ça qui est la vérité. Donc, la famille, donnez-nous la main. C'est l'union qui fait la force. Ça, c'est ma voix, nuit et jour. C'est l'union qui fait la force. Donc, que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse les enfants de la Guinée. Que Dieu fait que la joie qui est rentrée au pays là, que les mauvais grains là ne voient même pas la route pour nous faire quitter encore sur le bon chemin là. Donc c'est ça la famille. On est ensemble. On ne va jamais se fatiguer parce que c'est un combat. Il faut que la Guinée soit. Il faut que la Guinée sorte dans l'obscurité là. C'est ça qui est la vérité et ça va sortir dedans. Que vous voulez ou pas, ça va sortir dedans. Votre professeur est parti, c'est fini. Il ne va jamais se retourner aujourd'hui, il ne va jamais se retourner demain. Donc, ce que vous ne voulez pas voir là, vous allez voir ça et vous allez accepter ça. Et la honte va rentrer encore dans vos yeux. On va vous montrer que nous, on est là. Pour le bon du pays, pour le bien du pays. Nous, on n'est pas là pour mettre le pays dans l'eau. Si tu ne peux pas faire un bon travail là, il faut quitter là-bas pour que les gens qui peuvent faire le travail puissent venir faire. C'est ça qui est la vérité. Vous ne pouvez pas faire quelque chose et vous ne voulez pas laisser encore les gens qui sont capables de faire. Ça, c'est quelle méchanceté là. Disons la vérité. C'est ça la vie. Donc la famille, on est ensemble. Bonne nuit à tout le monde.